parmi les composés suivants. Le, lesquels sont des bases puriques? Guanas. Acide adénylique. واضح؟ علاش انا من الاول خديت وقتي و لكلك باه جانتين تاو parmi les composés suivants, les lesquels incorporent une base purique. PLPP. Adénosine. Inosine. Cétidine. Ribosacosol. Parmi les composés suivants, les ou lesquels sont des nucléotides puriques. Phosphoryposylamine. Adénosine. Acide adénylique. Inosine monophosphate. Adénosine des aminases. Les réactions de la purinosynthèse. Le substrat de la première réaction est le ribosacosphate. ما قلتلكش لي رياكسيون سبيسيفيك. اما البيرينو تبدا من الاولى كي با سبيسيفيك. دونك ما قلتلكش هي. قلتلك بيرينو ما قلتلكش سبيسيفيك شكون تاع كي رون سبيسيفيك لا بيرينو. لي 10 رياكسيون بالانزيام خليتها تو. واضح؟ سون ميتوكوندريال. نو. سون دون السيتوبلازم. Sont ubiquitaires. Non. Transforme la guanine en GMP. Ce qui transforme la guanine en GMP, ce n'est pas la purino, c'est le recyclage. C'est pas la purino. Le recyclage, c'est un autre processus. Hati purino. Purino, IMP. IMP. Voir, tu peux starter l'IMP ou le GMP. Mais je dis le recyclage. Ben. S'accélère en cas d'élévation de la teneur en 1 phosphoryposyl simple phosphate. Oui. Non. Si tu dis à la zine, je vais te détails. Donc, qui te coule PLPP, je ne sais pas. PLPP, madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. PLPP défiguré, à ma tour. Maclou. 5 phosphoryposyl radithélique hélium et 5 pyrophosphate. C'est fini. Ce n'est plus le PLPP, ça. Donc, il y a des quels A, B. Question A, ça. Parmi les enzymes suivants, le ou lesquels sont impliqués dans la purino. Je compte décrire la purino synthèse. Impliqué, man, il y a des gens qui mettent dans le purino. PLPP synthétase. Oui. Pyruvate déshydrogénase. Non. Aminotransférase. Oui. Glucose isosortase. Non. Guanas. Non. Parmi les enzymes suivants, le ou lesquels sont impliqués dans la dégradation des nucléotides puriques. Aminotransférase. Non. PLPP synthétase. Non. HGPLT. Non. Adénosine des aminases. Oui. APLT. Non. Parmi les composés suivants, le ou lesquels sont utilisés dans les réactions de recyclage hépatique et basse purique. Donc, les composés, le ou lesquels sont utilisés dans les réactions de recyclage hépatique et basse purique. Inosine. Oui. Non. Est-ce que tu recycles l'inosine? Non. L'inosine concerné par le recyclage? Non.
BD. La Denis. Les Pouxantines. Oui. La Denis. Oui. 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 La Guanine. Oui. Le Lipos 5 phosphate. BCD. Hein? BCD. Qui fiche? BCD. BCD, bien sûr. BCD. Vous m'entendez, ou alors? Parmi les composés suivants, les uniques sont utilisés dans les réactions de recyclage extra-hépatique du basse-purique. Extra-hépatique. إذا ما يقول لكش خاطر تصير في L'hépatique, le cycle de façon plus spéciale, l'hypoxanthine. Oui, mais bon. L'adénine, les zoos. L'adénine, j'ai dit que l'endogène, c'est clair. Il faut recycler les deux, l'adénine, la guanine. Là. Mais le coup, on dit que l'hypoxanthine. On t'a appelé, non. Ben. Je préfère notre autre question qui m'a oui, la hot, 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 oui. Hot, oui. Ben, quand les tissus, mais rarement ils se tapent. Ou dis libre. Ils نقفوا في اللادينوزين الأداء أداء باش يمشي والبلاصة أخرى نعبدوا فهمت اللينوزين معناها كوم سي دون لي تيشي بريفيريك أون فوا با أباريت اللينوزين دون لي تيشي باسكو ليا با أي دو فاسون ما تجيكش من برا تجي اللي ترانسفورمي أبارتير دو نيكليوزيد يو اللادينوزين إيفونتويلمون دون أن تيشي تري بارتيكولي يو الستيم نافوسيتي ولهذا الديفيسيت وانا دا عمرنا ما حكينا عليه ابار الديفيسيت ميونيتير ما حكيناش عليه في حد شيء حد ديسيو نسوك المبتدا ابار انو الفواز هذا يعمل كيفو يوديسيمي بيه La sidurine, le présent produit final du catabolisme n'est pas spirimidique. Non, purique. Oui. Purique. Et plus soluble que l'urée de sodium. Oui. Moi, je mets destruction. L'état de choc, c'est ballonisation. Mais je destruction, c'est fric.
Hein? L'acidose et l'insuffisance rénale éventuellement de filtration. Et l'acidose lactique. Et qui fait خصوصيه تاع ديتاتشو الاسيدوز لاكتيك كي مورتي اي ترانسفورمي اون كزانتين او نيفو دو لانتستان بريسيبيت دون لي فوا يورينير ان كاد دان بي اش يورينير اسيد سي او الاسيد يورينير Sa synthèse est ubiquité. Hein? Je te coupe de cellules, cadre à 10 grammes ou de la l'acide urique. Sa clairance est nage chez un adulte de l'ordre de 10 minutes par minute. Oui. Donc nous allons tourner ça. Hein? Et partiellement filtré au niveau du glomérule. Non, partiellement filtré. La manière du filtre. C'est fini. Ah, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. C'est pas entravé là. Donc, je pense que 5% de ce qu'on élimine quand on part filtré, il est pratique 10 ml par minute. Ben. Et catabolisé au niveau du rein à l'entouille. Non. Précipite dans le milieu vasculaire en cas d'hypercémie majeure. Donc ça ne précipite pas. Dans les articulations, oui. Dans les cycles sous-cutanés, oui. En cas d'acidose sévère. Ça ne précipite jamais. Mais tout seul, 6, 9 mortels. Mais tout seul, 5. 5 et demi. À part de 5, il ne précipite pas. Le four, ah. Oui, donc c'est 5 et demi. Il y a quand même Je pense que c'est moins vite. Il est filtré. Une production exagérée d'acide urique peut être en rapport avec production. Un déficit en glucose 6-fosfatase. Oui. Un traitement anti-mitotique. Oui. Un traitement hémotétique, une production exagérée. Moi, je production exagérée. Les bases endogènes, j'ai rien quand tu vas faire de cellules. Tu vas recycler, mais tu ne peux pas recycler tout. Ah, mais c'est pas une production. Ça, machin. Pas une production exagérée, c'est une accumulation. Je connais les bases endogènes. Je connais un sur la sécurité. 20% n'est plus 20%. Moi j'ai utilisé, moi je produis, non j'ai utilisé. Mais c'est produit et non utilisé. Le voile, la sécurité. Oui ou non, je connais ça, le voile. Allez, c'est une production, c'est pas une élimination. Ben, une insuffisance rénale qui est terminale. Donc, mon complexe, il y en a une hyperuricémie dans la peau. Donc, la production de belle. Quel complexe hyperuricémie, tu laisses l'insuffisance rénale. Le rat, il n'y a pas d'alerte avec la production. Surtout, c'est l'absus. Un déficit en xanthine oxydase. L'ax. Une hyper-réactivité de la PLPP synthétase. ABE. Parmi les enzymes suivants, lesquelles sont impliquées dans les hyperuricémies? PLPP synthétase. Oui. Xanthine oxydase. Non. Glucosylation synthétase. Oui. G6PD. Non. Périnucléoside phosphatidase. Non. Dégradation. Appliquée dans les peaux. Il n'y a pas de situation où l'activité de la xanthine oxydase est élevée. Il n'y a pas de situation où l'activité de la xanthine oxydase augmente. Amen. Il y a normal, il y a. Donc il n'y a pas d'hyperuricémie mentale à la xanthine oxydase. Elle produit beaucoup. Parmi les enzymes suivants, lesquelles sont impliquées dans les hypoglycémies? APLT.
dans les Ibou. APLT. Non. Non. Là, APLT, il y a ma partie qui est HPLT. Non. Glycosis sur sa tasse. Non. GSPD. Non. Adénosine désaminase. Oui. On peut observer une hypoglycémie au cours d'une insuffisance hépatique. Hein? Cétoacidose diabétique. Oui. Oui, par le biais de l'acidose. Néphropathie glomérulaire. Oui. Oui. Non. Glomérulaire, allez, mange insuffisance sénale. Le syndrome néphrotique ou la néphropathie, on a des protéines, on a des manques de filtration. On a des insuffisances rénales. Il y a des bizarres, il y a des albumines, il y a des insuffisances rénales. Non. Mais ça peut se voir. On peut observer. L'hypoglycémie, on a des néphropathies. Néphropathie, il y a des néphropathies, 0,8 grammes. On peut observer. Ça peut se voir. À l'énoncé, on peut observer. Pour l'énoncé, on peut observer. On peut. Directement. Moi, je suis chargé. Hadda, si tu vas l'observer, je ne vais pas faire de mais là, allez, je cours. Ah, bah là, où bah là, où j'ai calé. Maintenant, tu as besoin d'une nephropathie. Tu dois faire le cycle. Quand tu as une nephropathie. Voilà là où je cause. Là où j'ai une production endogène, mais je ne veux pas dire que là, où il y a une protéinerie, une hypersémie, c'est bon, ça explique. Mais ça n'explique pas. C'est un diagnostic d'élimination, il va dire. Ça n'explique pas. Mais la néphropathie, mais de toute façon, c'est l'hypersémie. Voilà là où j'ai une cause au clair. Malgré qu'on a des insuffisances hépatiques, on peut observer une info. Glycogénose type 1. Oui. Traitement antituberculeux. Oui. On peut observer une hypoglycémie au cours d'une pré-éclampsie. Non. État de choc. Lithiase Oui. Oui. Souvent, allez, je la suis unique à l'arbre. Donc, déjà, on va quitter le niveau supérieur, c'est alertant. Voilà.